Aslima, مرحبا بكم من سكول على تونيزيو تي في معنا فريال مبارك اللي هي الكورديناتريس متاع سانديكال تونيزيان دي راديو ليبر. عسلامة مرحبا بك فريال. عسلامة أحمد. إذا كان تحكينا شوية على نقابة هذه اللي هي نقابة حديثة العهد في تونس. هي حديث العهد وغير حديث العهد. النقابة أول حاجة لو سانديكا تونيزيان دي راديو ليبر هي حركة بدأت بحركة مواطنة وحركة une lutte qui a commencé en 2007 par une radio associative qui est Radio 6 et c'était des personnes à l'époque اللي هما حبوا يعملوا des radios لكن ils n'avaient pas la possibilité ou ils n'ont pas eu le droit de faire ça. Donc جمعوا عملوا une radio associative, c'était une radio pirate في تونس وكانت تبث وتوصل الصوت وتعمل في حاجات برشا حلوين, توقفت برشا مرات وتعرضوا أعضائها لبرشا اعتداءات وتفكوا كل الماتريال وبرشا حاجات حاسيلو. بعد في الاخر وقت اللي بعد 14 جانفي دونك تأسست لو سانديكا اترافير راديو اسوسياتيف راديو 6 وجابت روح جديدة اللي هي لي راديو ليبر, يعني اي راديو بريفي اللي كابابل داتر ريسبونسابل سورتو في الماتيير اللي باش توصلها ان طونك كاليتي ولا كونتيتي اي انستوري اون une ambiance اللي مش موجودة عندنا برشا احمد اللي هي لي راديو اسوسياتيف اي لي راديو كوميونيتير. دونك surtout les radios associatives, par exemple un groupe d'associations les Tr de Marli Tawik syndicat tunisien des radios libres, les Tr de Marli c'est un groupe d'associations, c'est un groupe de production radiophonique, ils ne se mettent pas بعضو يختار un sujet يخدم فيه ولا une thématique يخدم عليها ويحضر بها une radio. Et à Marc, ils sont en train de faire la formation qui m'a fait belle, donc par rapport les formations, le cycle de formation, les Trumbi, Tawik, à Marc et STRL, fi Gafsa ou fi Tbarqa. Donc Gafsa, c'est pour la partie du sud, Tbarqa, c'est pour la partie du nord, pas pour diviser nord et sud, mais par rapport à la, c'est-à-dire à l'approche déplacement et pour faciliter le déplacement des participants. Donc, personne ou elle aille association qui a l'idée ou qui a déjà commencé l'idée d'avoir un projet de radio associative ou tracette pour des raisons financières ou les choses qui mettent le cas les smart beam de Oise, donc c'est une radio aussi qui a commencé et qui a été interrompue vu beaucoup de contraintes. Donc l'utilité de STRL et aussi à Marc, c'est de porter de l'aide, le soutien, la formation, l'encouragement et l'encadrement jusqu'à ce que la radio elle soit fonctionnelle comme d'habitude. Et pourquoi pas passer d'une radio sur le web à une radio sur une fréquence FM ultérieurement, avec beaucoup d'expérience, c'est-à-dire du personnel qui est en train d'encadrer, ou le volonté par les participants, pourquoi pas une bande FM qui sera chargée de radio associative. Voilà. Bon, Feril, شنو هو الميساج اللي تحب تعدي توا للجمعيات اللي يحبوا يعملوا اون راديو؟ On a sélectionné une radio déjà qui a commencé, les Hia Oaz, sur le web, et une autre radio, les Hia Tunisie 24. Donc, ces deux-là ont collaboré ensemble pour créer un projet de radio sur le web, recréer encore, donc toutes les associations, c'est-à-dire dans la région de Guebs, sont appelées à participer. Donc, la radio, elle est capable de couvrir leurs activités, je dois s'en soutre. Reste toujours les médias, c'est le médiateur potentiel, oui, que je dois s'en soutre, moi, je dois s'en soutre, j'ai entendu parler qu'il y a presque 300 associations في جيبس واللي هما حتى سكيي ابيزون اللي هما طالبوا بدار الجمعيات كل شيء باش تقابلوا فيهم اي سي تري امبورطون. دونك سيت راديو لا سورا ان اكسي بوزيتيف اي اوسي ان اكسي ليبر ا توتس لي اسوسياسيون بور كولابوري انسامبل يعملوا ان بروغرام ensemble pour des émissions et voilà. Donc on sort du contexte de la radio privée qui a un suivi classique à un suivi plutôt c'est-à-dire de
de profondeur, je dirais bien. Voilà, c'est tout simplement ça. Voilà. Merci. De rien.